Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va. Inoxydable. Inoxydable Stéphane Pouillet. On retrouve Frédéric Fauque. On a vu le plus jeune tout à l'heure, je crois qu'on a le doyen de l'équipe de l'édition 2024, Patrick Boulanger-Bagnou. On retrouve Pierre-Robert Ball et David. Il avait été donc vainqueur de l'épreuve, deuxième à Feuquières, deuxième à Formerie. Voilà, Francky Batelier avec l'équipe du team Jop 76. Vas-y. Par contre, tu ne repasses surtout pas. Faut pas trop freiner trop tôt. Hein. Faut que tu freines après la bifurcation. Si t'as la bifurcation. Ouais, il faut freiner après. Et tu freines après. Hein. Tu passes à 40. Je pense. Au virage. Ouais, tu ne sauras pas les yeux. Donc, ouais, je sais pas. Il faut avoir. 124 au départ. 124 au départ. Thank you.
c'est bien, c'est un master. Les jeunes, ils sont au régime, ils sont végétariens, vous comprenez, à 45 ans, on peut commencer quand même à avoir quelques joies dans la vie. Hein. Voilà, c'est offert par un producteur éleveur dans mon village, qui est venu de nombreuses années au marché de Noël de Crèvecœur-le-Grand. Voilà, des produits gourmands. La deuxième équipe, pour qu'il y ait un premier, c'est bien évidemment... Alors à leur côté, on va appeler la deuxième équipe, pareil, l'équipe brillante, le team Payel-Le Soc, deuxième équipe. Frédéric. Donc on a tous relevé notre niveau parce qu'on voulait être à la hauteur de cet événement-là. Et voilà, une belle satisfaction d'être la meilleure équipe sur ces routes de l'Oise. Il y a de la frustration parce qu'on sait qu'aujourd'hui... c'était pas forcément ce qu'on était venu chercher, mais ce résultat fait plaisir. Quand on a une organisation comme ça, où des gens se mettent se plient en quatre pour organiser des courses, et on est fiers d'en être là. Quoi. Voilà, c'était une course différente de l'an passé, il y a eu des circonstances. On s'est battu pour gagner au général, hein. On voulait aussi bien prétendre par équipe. Il y avait une équipe vraiment, vraiment soudée, qui s'était bien entraînée autour de cet événement, comme le disait Jérôme. Donc voilà, on a tout donné avec les moyens et les circonstances. Et puis bon, voilà, une cinquième place en individuel, une victoire par équipe qui nous satisfait, un maillot de la super combativité, un maillot en master. Voilà, on a passé un super week-end sportif en tout cas. Bien arrosé. Bien arrosé, voilà. On a mouillé les vélos, on a mouillé les maillots à tout point de vue. Et puis voilà, on s'est battu à chaque étape, on n'a pas de regrets. Voilà, on avait de la concurrence, il y avait beaucoup de monde au départ, beaucoup de prétendants à la victoire. Félicitations à Clément pour sa victoire parce qu'il a été solide de bout en bout, il a tenté beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas de regret, c'est le jeu de la compétition. Et puis, le maillot, je le laisse à Clément une année, on verra après. Ouais, on reviendra l'année prochaine. Préparez-vous les gars, ouais. Parce que nous on sera prêts.